Bienvenue à la chronique Mise en forme 101. Aujourd'hui, on est au Mansfield. On va faire la deuxième partie de notre programme d'hypertrophie. On va faire les jambes, donc le bas du corps. C'est parti! Notre premier exercice est le squat. Prenez une barre olympique avec des charges qui vous conviennent pour faire 4 séries de 10 répétitions maximales. Lorsque vous descendez, assurez-vous d'avoir les coudes le plus vers le bas possible avec votre barre. Gardez le bas du dos droit, contractez les abdominaux. Le tempo est 3-0-1-0. Donc, on descend à la phase excentrique en 3 secondes et on remonte en 1 seconde. Le deuxième exercice est le deadlift. Pour effectuer le deadlift, installez une barre olympique par terre, installez vos mains dessus et vous allez tirer la barre, donc vous allez faire un soulevé de terre. L'important est de fléchir légèrement les genoux, garder les jambes dépliées. Lorsque vous prenez la charge et vous faites l'extension, gardez les épaules vers l'arrière, donc contractez les omoplates, gardez le bas du dos droit, contractez les abdominaux. Beaucoup d'éléments à l'intérieur de ce mouvement-là, un mouvement extrêmement fonctionnel, mais qui va vous donner beaucoup de résultats pour la prise de masse musculaire au niveau des ischio-jambiers et de votre chaîne postérieure, fessiers et le bas du dos. Notre troisième exercice est l'extension des genoux assis. Assurez-vous que votre dos, le bas de votre dos, soit toujours collé au dossier lorsque vous faites l'extension de vos genoux. Très, très, très important, on revient sur le nombre de séries. 4, c'est pour commencer lorsqu'on fait de l'hypertrophie, donc très important d'effectuer un 4 séries de 10 répétitions maximales avec la charge qui convient. Donc lorsqu'on fait l'extension, on monte en 1 et on redescend en 3 secondes pour le tempo pour aller chercher l'hypertrophie du groupe musculaire des quadriceps. Notre quatrième exercice, c'est la flexion des genoux couchés. On va encore travailler la chaîne postérieure, donc les ischio-jambiers et les fessiers. Lorsqu'on ramène la charge, on contrôle le mouvement lors de la descente. Assurez-vous toujours de bien prendre vos temps de repos entre chacune de vos séries. C'est ce qui va vous aider, dans le fond, à maximiser le gain de masse musculaire. Travaillons les mollets avec le cinquième exercice qui est l'extension des chevilles. Sur un appareil, vous allez faire une poussée vers le haut, contracter vraiment les mollets. Donc, vous voulez vraiment aller chercher votre soléaire lorsque vous travaillez les mollets, le groupe musculaire, et assurez-vous justement de vraiment vous concentrer sur la contraction musculaire pour aller solliciter le plus possible de fibres musculaires pour créer les micro-déchirures afin d'augmenter votre masse musculaire. Pour le sixième exercice, nous allons faire des redressements assis avec une charge dans les mains que nous allons porter vers le ciel. Très, très, très important de contrôler le mouvement et de contracter les abdominaux lorsqu'on redescend au sol. Respirez. La respiration est très, très, très importante, surtout pour cet exercice-là. Une bonne respiration va vous amener, dans le fond, à avoir plus de résultats et à avoir une meilleure contraction musculaire, un meilleur volume d'oxygène à travers votre corps, donc plus de performance sportive. Donc aujourd'hui, on a vu l'entraînement de bas de corps pour l'hypertrophie pour débutants. Jumelez-le à la semaine passée, en fait, le programme d'entraînement pour le haut du corps au gym, justement, d'hypertrophie pour débutants également. Très, très, très important, ce plan d'entraînement-là, vu que vous commencez, vous êtes un débutant, justement, faites-le 4 fois par semaine, un minimum. Vous pouvez aller à 6, mais prenez vraiment du temps de repos, c'est super important pour vous laisser le temps de récupérer également. Le volume est quand même un peu plus élevé, donc le temps de récupération doit être un petit peu plus long. 2 fois le haut du corps, 2 fois le bas du corps. On a un entraînement complet pour vous aider à prendre de la masse musculaire. Donc on se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci, à bientôt.